Et salutations à tous, mesdames et messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir, bonne année, joyeuse Pâques, joyeux Hanouka, bref, en fonction de la date et de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. On se retrouve donc pour la suite des aventures de Patrick, alias Samurai. Maintenant, hein, parce que dans le dernier épisode, on s'était quitté après avoir créé ce magnifique katana qui est de toute beauté et qui fait des dégâts astronomiques, sachant qu'en plus il n'est pas très... très amélioré, donc ça va être encore plus bourrin, hein. Plus on va avancer, plus ça va être ouf. Et ça fait bien 4 jours que j'ai pas touché à ce jeu, et ça m'a démangé terriblement, parce que forcément je voulais tester cette lame. Mais bon, voilà, plein de choses à faire, et d'ailleurs vous avez remarqué que les sorties de vidéos sont de plus en plus régulières. Donc j'ai peut-être enfin trouvé, on va dire, un bon rythme pour sortir tout ça. Ce qui est très cool pour vous comme pour moi. Bref, continuons notre aventure. Alors, on avait visité pas mal de choses qui traînaient dans les parages, hein, dans l'épisode précédent, mais pas forcément dans le précédent, c'est celui d'avant. Hein, donc, là, on avait dit qu'on partait soit ici, soit là-bas. Voilà, deux zones dans lesquelles aller. Et vous savez quoi? On va partir ici. On va se diriger ici. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur truc à faire. Plus profond, la rivière de la Sufra. Là, il y a un truc là. Je crois que ça là, vous voyez ces symboles, c'est ici qu'il y a les cartes. Les cartes d'accès. Enfin, les cartes tout court, je veux dire. Pas les cartes d'accès, n'importe quoi. Les cartes pour la map, pour dévoiler la map. Donc, on va voir ça. Et puis. Allons-y. Les Tesego. Quel plaisir de jouer Elden Ring. Alors que là, je suis claqué. Je vous avoue que je suis extrêmement fatigué. Mais on n'est jamais trop fatigué pour jouer Elden Ring, bien évidemment. Donc cette zone était assez tendue. Hein. On était déjà venu ici. Il y avait des ennemis putréfiés, cracheurs de feu, un petit peu de tout. Donc il va falloir faire gaffe. Ouais, voilà, il y avait bien des bons petits chiens chillards là-bas. Là. Les chiens-chiens à sa mémère. Voyons ce que ça va donner. Raté, magnifique, magnifique, magnifique. Oh ouais, non mais les dégâts quand même, hein, c'est quelque chose. Hein. On va pas se mentir que c'est quelque chose. Hein. Oh ouais. Je me rappelle qu'on en avait chié hein, pour tuer ces mobs. Hein. Ces petits kleps. Bon, je sais pas pourquoi j'y vais à pattes, parce que voilà. Goltor aime se faire du mal. Ah oui, donc il y avait les chiens là-bas. Oh, on n'avait pas récupéré ce site de grâce là. T'es vraiment des cons. Enfin, j'étais surtout un con. Terrible ça. Alors, qu'avons-nous? Papillon naissant. Ok. Et toi, tu dis quoi? Tout se gâte. Tout n'est plus que putréfaction. Même la terre sur laquelle repose Kaelid et Celia, cité de la sorcellerie. Notre fin est proche. C'est vrai qu'il y a des bestioles qui ont pas une gueule de porte-bonheur. J'ai failli tomber. Oh ouais, non, mais les dégâts! Les dégâts! Moule de gars. C'est presque japonais. Oh. Oulais. Prends la glace toi. Ok, tu prends le saignement. Olé, 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 olé. Aïe, aïe, aïe. D'accord, je m'attendais pas à vous par contre. Oh là là, mais quel plaisir hein. Marteau. C'est quand même quelque chose hein. Oh, y a pas photo, on est devenu surpuissant hein. Vraiment. Avec l'arme de départ quoi.
enfin, l'arme d'une de classe de départ, c'est quand même fou de se dire ça. Bon, ok, on l'a infusé en glace, mais. Quand même, quand même. Come on, come on. Bon, vous êtes un peu nombreux, non? Je peux vous tuer ou. Oh non, je voulais trancher dans le tas, vous êtes pas marrant. Olé! Les gens, il a fait une double chope. Putréfaction écarlate. Oh merde. Je sais pas ce que ça fait, mais. On a des trucs pour se soigner de ça là? Empoisonnement, poison cumulé. Non, je vois pas. Je sais pas ce que ça fait. Ouais, il fait deux chopes. Allez! En fait, c'est un genre de poison, non? Juste voir si ça fait quelque chose de tuer tout le monde, mais. Ouais, rien du tout. Rien de rien. Oh là là, non mais vraiment! Qu'est-ce qu'on prend cher avec le poison par contre? Oh, c'est long cette histoire. Vous savez quoi, on va tracer? On va tracer parce que ça on l'avait déjà fait. Et là il faut que je me repose parce que. Ah, bah parfait! Parce que la putréfaction est en train de mettre quand même assez cher, mine de rien. Monter de niveau, il nous faut quoi? 22 000. Donc c'est pas tout de suite. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des améliorations pour le katana, hein, je vous jure. Hein. Parce que c'est quand même assez dingo. Hein. Les tartes qu'on peut mettre. Ouais, tout est pourri en fait. Hein. Quoi? Terre draconique. Oh, il y a un dragon là-bas. It's a dragon. Stylé. Quel temps pour Ave. Ah ouais, tout est bien dégueulasse. Oula, ça m'a fait peur. Il voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est là. La map, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Eh bien, nous avons un dragon.
Et let's go! Ah, je peux pas. Oh là, y'a plein de dragons. Oh, ça touche vraiment? Ah! Oh mais non! Oh mais non! En fait, je fais ça, mais ils avaient pas l'air si agressifs, hein. Ah! Ah ça, ça fait mal ça! Non, mais j'avais appuyé! Croyez-moi, croyez-moi pas, mais il y a un input lag! En gros, qu'est-ce que c'est? C'est que si j'appuie sur frapper et que j'appuie sur roulade, il va faire frapper et après roulade. Là ça a touché mais bon voilà quoi. Ça parce que c'est un dragon quoi. On l'a presque, il est costaud hein. Là. Là. Est-ce qu'il donne beaucoup? 3000 et quelques. Oh putain, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. En vrai, c'est vraiment pas beaucoup. Granit. Ok. En plus, ils ont pas l'air agressifs en vrai. Je l'ai tabassé, mais. Tranche de viande. Ouais, je peux plus amener mon cheval. On va se TP, on va se soigner, on va repartir. Parce que c'était un peu compliqué là. Est-ce qu'il réapparaît? Ça, c'est un truc qui serait cool de voir. Je sais pas pourquoi je me repose, ça sert à rien. Déjà il y a une tour aussi là-bas. Ah, ça dit quoi ça? Je suis desséché tel un os, dragon de malheur, laissez-moi m'abreuver de votre force et me repaître de votre cœur. Ah mais les dragons ils se laissent pas faire comme ça hein. J'entends briller. On va y aller comme ça parce que sinon... Oh! Petit bâtard. Haha! Pierre de forge sombre. Putain, niveau 8, hein.
Mais là on est trop haut niveau, moi il me faut des trucs plus simples. Plus bas level. C'est bon, j'ai entendu un truc grogner. Attendez, par contre on peut y aller là. Je suis désolé mais on peut y aller là. Mais carrément. Je regarde en arrière parce que des fois ils cachent des trucs les petits salauds. Ah merde, fallait monter. Ah quoi que. Ah ouais. Putain, faut pas se rater hein. Oh c'est abusé. Mais il y avait un truc là-bas. Putain, il y a trop de passages. Ouais. Un champignon. Oh oui, non mais là... Tu vas pas me la faire. C'est pas vrai, j'ai pas eu peur. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Y'a quoi ici? Non, c'est pas possible, y'a rien vraiment. Bah. Ah, oui, y'a un truc là. Là, c'est trop haut là. Si je tombe, je meurs. C'est pas possible, me dis pas que je me suis fait chier à sauter. Bah si. Oh, j'étais persuadé que j'avais trouvé un truc, je suis tellement deg. Bon, et là-bas, il y a quoi? Parce qu'on peut monter ça, j'ai bien vu, hein. Il y avait des mecs en haut en plus. On va faire tout le tour comme ça là. Ah non. Non mais vraiment, il n'y a rien par contre. Oh, je suis déception. Bon, en soi, après, c'est pas mal fait, hein. Ça veut dire que voilà, on peut aller de tous les côtés. Le bâtiment ne se termine pas pile poil juste parce que bah, ça sert à rien d'aller là-bas quoi. Mais je m'attendais à ce qu'ils mettent une petite connerie cachée, vous voyez. Petite connerie là, en mode hop là. Voilà, on peut monter là-dessus là, non? J'ai hésité hein. Peut-être qu'il fallait faire en cheval mais... Ah mais on pouvait aller là encore. Désolé hein. C'est trop bien qu'on puisse jouer comme ça avec le décor sur un... J'étais tellement tendu. Okay. Clé lame pierre. Alors, oh putain j'ai peur. La question est, est-ce que du coup c'était le bon endroit? Est-ce que l'autre échelle, en fait c'était le passage à prendre? Beaucoup de est-ce que quoi.
encore cette échelle là. Là on peut pas passer par contre, là c'est pété. Parce qu'elle a l'air moins haute. C'est pas elle a l'air mais... Ouais elle est beaucoup moins haute. Il y a des trucs. Ça a pas l'air de servir à quelque chose, non? Moi, je pense que ça sert pas, hein. C'est juste pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on aille là-bas, je pense. Yamakasi, parcours. Allez. Oh mais il y a trop de... Ok, j'ai rien dit, ça sert à se rattraper si on se rate. Bon, il faut prendre le cheval par contre. Ce qui me paraît... Ou alors non, il faut que je sprint, faut que je sprint. J'ai peur, hein. Je me suis vu mourir. Hein. Je me suis carrément vu mourir. Et là, est-ce que... Parce que là, on est passé de l'autre côté, du coup. C'était pas voulu. Hein. Oh, allez. Du coup, on est passé de l'autre côté sans le vouloir. En tombant, hein, comme un caca. Il y a trop d'endroits en fait. Et comme je veux tout fouiller, c'est un peu le... Ouh ! Rune de Numen. C'est quoi ça? C'est nouveau ça. J'utilise pour obtenir une multitude de runes. Oh là là. D'accord, ça doit être violent ça. Ok. La nid de la reine ma... Oh, ok, d'accord. Donc c'est des trucs vénères. C'est un gros paquet de runes. Bah ça me va, hein. Moi j'aime la thune. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc is ok. Et là, on aurait pu venir d'ici, sauf que je suis tombé, j'ai fait le tour. Tac. Bon, on a trouvé un truc planqué. Ça, ça fait plaisir. Enfin, planqué, faut le dire vite parce que si on est là, je pense que ouais, on peut comprendre qu'on peut aller là-bas, mais. Putain, on est tellement parti à l'assaut du château, par contre. Sacré château aussi en passant. Ah, ça j'aime bien ça. C'est la tour divine de Kaelid. Ok. Allez. En plus, on a ce qu'il faut là. On en récupère pas mal des runes ici par contre. Hein. Ça donne combien ça? 12 500. Effectivement.
Effectivement, c'est pas dégueulasse. On a dit qu'on augmentait quoi? La dextérité, hein, je crois. Ah oh, bah oui. Allez. Donc pas grand chose pour le prochain level. Okay. Bon, ça se passe là-dedans, chez McDonald's. Ici on a quoi? On descend. Et là on a quoi? On monte. On va descendre, hein, j'imagine. Je dis ça au pif, hein, mais... Putain, ça descend, genre... Ça descend, quoi. Ah, tchur! Eh, vous trichez, vous êtes à deux, hein. Comment ça? Oh! Et non. Ok, tu l'auras voulu. Stylé cette attaque. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On peut descendre. Ouais. On peut pas ouvrir, évidemment. Est-ce que ça, on peut faire quelque chose avec ça ou pas du tout? Rien du tout. Du coup, j'hésite à monter en fait. Là, visiblement, faut descendre. Ok, donc la suite, elle est en bas, apparemment. Par contre, j'avais mis des talismans. Je suis en train de me demander. Oui, c'est bon. On a... Ah oui, mais on a un troisième emplacement. J'ai oublié de mettre PV maximum, récupération d'endurance. Alors, l'équipement max, on s'en fout. PV, c'est ok. Augmente les dégâts, non. Feu, foudre. Unité, focalisation, contre-attaque. Attaque chargée. Ouais. Attaque sautée, ça peut être pas mal. Critique restaure des points de vie, c'est quand on fait des, ouais, des finish. On va prendre les attaques sautées, je pense, hein. En vrai. On est toujours pas trop loin. Non, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on a là-bas? En bas là-bas. Enfin, c'est plutôt en haut là-bas. Oh, c'est fermé. C'est bloqué, d'accord. Bon. Putain. On se retape le chemin en descendant, youpi. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on est classe comme ça? Par contre l'arc me dérange vraiment, hein. Je suis désolé. Voilà, là on est mieux là. Là on est beau là. Là, notre Patrick est de toute beauté. Quelque chose avec ça? Je peux pas l'allumer? Non. Par là, je dirais, hein. Par contre, ça a l'air pété. Non? Ouais, c'était pas mal. Oh! Oh putain! J'ai cru que j'étais mort. Putain, il y avait un truc là! Oh!
peux pas? Rune dorée, 12 putain le bordel, niveau 12. On peut sauter sur ça. Oh comment je me sens pas. Ah. Je stresse pas du tout, mesdames et messieurs. C'est faux. Comment ça, deux? Ouais. Salaud là. Je sais pas où on va mais je veux bien. Oh non on monte. Ah si c'est bien en vrai. C'était pas par là que j'avais vu un truc ici là. Ah bah c'est bon. C'est un raccourci. Ouais. 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 T'as pas l'air gentil toi non? Ok, effectivement t'as pas l'air gentil. Oh les porteurs de la flamme sombre hein. Ouh. Oh la portée. Oh comment c'est stylé. Ah, merci les saignements. Hein. J'aurais pas aimé me prendre une tarte de ce mec là, je pense qu'il aurait piqué genre sévère. Qu'est-ce que tu cachais? Un arc runique. Ouais bah alors attends, comment t'expliquer que les arcs... Ah mais c'est bon, c'était l'endroit où je voulais aller. Ok. Bon, mais du coup, c'est pas ça. C'est pas là où... C'est pas là où... Faut redescendre encore. C'était pas le bon d'endroit. Oh, une échelle. J'ai pas vu. Comme quoi, faut repasser des fois. Hein. Souvent, souvent même en vrai. Putain mais ça monte haut. Ça monte méga haut en fait. Mais sérieux? C'est... Ah oui j'allais dire on est dans Metal Gear Solid ou... Ah ah. Et le passage. Ok pour revenir. Dac. Oh non j'y ai trop cru. J'y ai trop cru. Oui. Là, il y a les mains qui... qui prennent feu de ouf. Bon, on va redescendre, hein, j'imagine. J'imagine. C'est pas trop en vrai. Ouais, par là on n'est pas passé. Ah, il y a des trucs là. Oh, bon, là pour tomber pile dessus, je sais même pas si on peut y aller sans mourir en vrai. J'imagine que... Bon, faut y aller hein.
marre, c'est trop haut. Merde alors. Il y a un ascenseur. Si la pierre nous dit c'est trop haut, c'est trop haut. Par où on peut passer du coup? Là, je vois pas. Ah, peut-être. Oui, là-bas, ok. Par là. Là, il y a un morceau du pont pété. Donc, dès qu'on va tomber là-dessus, ça va nous faire redescendre encore. Je vais vérifier qu'il n'y a rien. Non. Donc, là. Ah oui, Jérôme ou quoi? Ah non, ça nous tue pas! D'accord. Je comprends pas pourquoi on ne meurt pas, mais... Ok. Là on était clairement censé mourir, hein. On va pas se mentir. Hein. J'ai combien de... Putain, ça donne masse, hein. Je crois pas qu'on soit censé être ici. Dextérité, bam. Oh non. Ah, j'allais dire, vous pensez qu'il m'a vu? Un peu, ouais. Ça pique, hein. Oh, je t'avais touché. Ça va, en fait, il fait pas si mal que ça. Oh putain, boss. Apôtre Sancte Chair. Ok. Prends pas beaucoup de dégâts. Ça, ça doit faire mal à mon avis. Par contre, le 2000 qu'on lui a mis, il a fait plaisir. Oh! Il fait trop mal en fait. Putain, mais...
Voilà. Oulé. Les dégâts de glace, ça fait très mal, hein. Oh. Tac. Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il mouline? J'ai plus de fiole. Putain. Oh non. Oh non. Il lui restait un PV, je l'avais. Oh putain. Ah je l'avais. Ah j'ai les boules. C'est pas grave. Putain, j'ai voulu bourrer. J'ai fait une connerie. Bon déjà toi. Ah ouais. Oh non. Il est coincé mon allié. Il essaye de combattre le... C'est bon, il est revenu sur le bon. Ok, les choses sérieuses commencent. J'en profite tant qu'il y a... Oh non, je cours trop. Putain! Quoi? Mais j'étais pas sous fiole de... Ah, c'était dégueulasse ce combat. Là, c'était clairement dégueulasse. J'ai voulu trop bourrer en fait. Il faut que je le tabasse, mais quand mon invoque a l'aggro en fait. Dès que mon invocation a récupéré le boss, à ce moment-là, il faut que je bourre dessus, mais pas avant quoi. Ouais.
Ouais, je l'ai raté. Ah putain, ouais d'accord, l'enchaînement par contre. Qu'est-ce qu'il cogne? Je rappelle que j'ai 50 de vitalité. Donc là, les tartes... Ouais, déconne zéro. Putain, j'ai trop les boules de tout à l'heure, j'avais failli l'avoir, putain! C'est moi qui ai fait ta merde. Je ne peux me plaindre. Qu'à moi-même. Bonjour! Pendant qu'on abrutit. Ah. Non. Putain! Putain, je suis trop deg! Putain, tout à l'heure j'étais bon en fait, hein. Là je fais de la merde. C'est ça que je suis en train de me dire là du coup. Que c'est pas du tout le même fight. Alors, du coup, on va réutiliser ça. Est-ce qu'on peut utiliser des trucs? Non, on peut pas parce que notre arme est déjà enchantée. Faut juste que je m'améliore. J'en rêve encore. Et là, je l'ai dans la gueule. Voilà, parfait. Nickel. Nickel. Un JPP de ce mob qui est en train de mourir. Voilà, il est mort. Putain, JPP, hein. Il a vraiment servi à rien.
Putain, ce qu'il est classe. Oh non, je pensais avoir sauté dessus. Pas du tout. Caché. Oh yes, je l'ai eu avec les saignements. Oh putain, j'y croyais pas. Capuche de l'apôtre Sancte Chair. Robe d'apôtre Sancte Chair, bracelet et pantalon de l'apôtre. 94 000 âmes. Rune. Putain. Voyons à quoi ressemble ce stuff. Est-ce que ça a un effet? Alors, pantalon composé de lambeaux de peau lisse cousus ensemble, Berk, porté par les apôtres Sancte Chair, ces derniers qui auraient autrefois servi la mort destinée manier la flamme noire déicide. Cependant, lorsqu'ils furent vaincus par Maliket, la lame d'ébène, la source de leur pouvoir fut scellée. Oh, comment on est... Oh, il y a un visage dans le dos. On est trop stylé, hein. Je suis obligé de garder cette tenue. Par contre, du coup, on est en léger, j'imagine, maintenant. Ah oui, charge léger. Excellent. Du coup, ouais, du coup, on est ultra rapide. Eh bien, parfait. Soit. Eh bien, c'était quelque chose, ce combat. Est-ce pas donc du déicide? Il est hors de question qu'on change d'arme, mais on va regarder ce que ça donne. Non, voyons. C'est une lame qui demande de la force, de la dextérité et de la foi. Physique et feu. Très bien. Lame sacrée de la reine aux yeux crépusculaires qui contrôle les apôtres Sancte Chair avant la défaite contre Maliket. Les flammes noires qui manipulent les apôtres émanent de cette épée. Compétence unique, flamme de noir de la reine. Ah ouais, vous nimbez votre lame de la flamme noire. Décidez d'exécuter une large frappe en enchaînant cette compétence pour effectuer plusieurs attaques. La flamme noire inflige des dégâts continus pour une courte durée. D'accord. Donc c'est l'arme qu'il avait. Mais on est juste trop stylé comme ça, hein, par contre, ça c'est clair. Allez, on retourne à l'entrée. Eh ben, trop content. Comme quoi, hein, vous avez vu les saignements, le dernier dégât du saignement, ça a fait un... Ouais, je suis doubleur. C'était violent. C'était vraiment violent. Putain, cette tour divine de Kaelid... Déconne zéro, hein. Toujours des dragons, ça c'est chiant ça. Une maison là-bas. Allons-y. Une petite cabane au fond du jardin, la fameuse. Encore des chiens atrophiés, géants, je sais pas quoi là. Des chiens garous. Oh, un marchand. C'est un marchand ça. Ouais, c'est complètement un marchand. Tant mieux, on amasse une. Tu vas nous aider. Déjà, je vais juste faire ça. En mode juste, voilà, ça sert à rien, mais... Ah. Oh. J'entends briller. Oh, comment je t'ai vu? Tu vas tomber dans le vide. Ah ah. Viens ici! Sir Céleste qui me tire dessus? Ah ouais? Oh! D'accord.
Par contre, tu vas te calmer, hein. Ouais. Bon. On a un truc à voir en bas. Bonjour, mon bon monsieur. C'est quoi cette tête? Ah oui, c'est un masque en fait. Alors, qu'est-ce que t'as à nous vendre de beau? Graisse, doigts sanglants, matériaux servant à fabriquer des objets trouvables sur les pierres jadis. Ok, pour rituel. Cendre de guerre perdue, ceste à pointe, des flèches, une torche anti-bête. Ah ouais, je vais la prendre. Oh, la tenue du samouraï! Ah, oh, est-ce qu'on se met pas à la tenue du samouraï complète? Ah, si, hein. Ça, c'est quoi? Portail. Okay. Grotte secrète. D'accord. Est-ce que j'ai des trucs à te vendre? Peut-être, hein. Il me faut tellement des pierres de forge, là. Je sais pas, des armes en double? Des armes ou des armures ou... Ouais, genre. Ah, elle a pas les bâtons. Ok, ok, même pas de bouclier en double. Pas de tenue en double non plus. Non, je suis deg. Ça veut dire que je vais donner tout cet argent sans que tu m'en rendes? Je suis pas très bien. Ouais, bon, tant pis. Have a safe journey. Bon après elle est stylée cette armure aussi quand même, hein, on va pas se mentir. Mais voyons. Est-ce que la tenue du samouraï rend bien? Non, charge moyenne. Ah ouais quand même, hein. Ah ouais quand même, hein. Quand même, hein. Est-ce qu'elle me donne beaucoup de changements? Et on a plus de... Ah, oh, je me dis que pour changer, on va prendre ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent jouer cette armure. Vous avez dû voir des gens avec des tenues de samouraï un peu partout. Donc, en plus, on est en charge légère. Du coup, notre endurance va remonter à une vitesse. C'est très dynamique. Il en reste combien de... Putain, il m'a coûté cher ce con. Culé, là. Allez, hop. Level up. Dextérité, hein. Ouais bah oui, hein. On va monter la dextérité jusqu'à genre 30 et après on va augmenter l'endurance, je dirais, pour suivre un peu, je sais pas trop. Putain, j'avais des doses, j'ai même pas fait gaffe. Okay. On a rien d'autre, hein, un mélange de salut miraculeux. Meilleur tempérament, ça on va l'enlever. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Restaure progressivement des PV. Ça? Allez. Majeur, on a que ça. Non mais le truc de glace, il est hors de question que je le change. Hein. Fait quoi la brume de givre? Attendez, voyons. Inventaire. Parce que si ça se trouve, les cendres, c'est pas les meilleurs. Hein. Et j'ai foutu un truc à la con. Hein. Largement possible. Brume du givre, vous imprégnez votre arme de froid. Ah putain. Et assénez un coup, créant ainsi un nuage glacial devant vous. Imprègne l'arme de congélation pour une courte durée. Ouais, non, je sais pas.
Je sais pas. Non, on va le garder au cas où. On va le garder comme ça. Ah, modifier vêtements par contre. Est-ce qu'on peut modifier certains trucs? Ah, la tenue de samouraï. Et la tenue de... D'accord. Terre de roseau altérée. C'est tout? Mais on a que ça en fait. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Eh bien écoutez mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. Dis donc, on aura fait une belle zone avec un bon boss et on aura trouvé une tenue qui est plutôt stylée, j'aime beaucoup. Bon, ok, c'est des peaux de gens morts qui sont collés sur la tronche, mais le truc tout blanc là, de dos, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, on a plein de choses à aller voir, hein. Ici, tout ça là, tout ça, ça c'est quoi ça? C'est un arbre au monde, j'imagine? C'est quoi ça? Sanctuaire bestial. Ah putain, c'est là-bas. Ok. Ouais, donc on a plein de choses à... Là, il y a l'autre au bout de la carte. On a plein de trucs à fouiller ici encore. Hein. Mais surtout cette zone-là. Et ça, là. C'est là, il y a un... Ça indique un donjon. C'était pas où? C'était par là? Ouais, mais le donjon, il est là-bas, hein, clairement. Hein. Le donjon, il n'y a pas à tortiller. Hein. Il est là-bas en bas. Hein. Et là, il y a un arbre aussi. L'arbre, ça doit être un arbre monde mineur. Bref, allez, sur ce, mesdames et messieurs, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour l'épisode prochain avec notre petit Patrick qui va continuer à découper un petit peu tout le monde, hein, bien évidemment, histoire d'être encore plus fort, toujours, toujours plus fort. Des bisous, portez-vous bien et ciao, ciao!